Et salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Gaming06. Donc les amis, suite à la dernière vidéo que je vous ai fait donc sur Need for Speed Payback avec l'emplacement donc de la voiture Ford Roadster d'Halloween, les amis, cette fois, eh ben c'est course-poursuite. Donc on est parti les amis, on est parti. Et pendant le trajet, on va parler un peu comme d'habitude. Oh bah tiens, j'arrive pas à le. Ouais. Je t'ai C'est trouvé. fixe. Je pensais que ça bougeait, ça bouge pas du tout. Alors attendez les amis, juste avant, on va regarder. Voilà, c'est une voiture de drague les amis. Alors là, franchement, pour ceux qui ne l'ont pas déjà faite en drague, vous avez du bol. À savoir les amis que c'est la voiture la plus rapide, la plus cheatée en drague. Voilà. Elle défonce la Beetle. Voilà, ça, bon, comme vous savez, depuis je dois faire une vidéo avec les meilleures voitures de chaque épreuve, après la mage. Bah comme ça, au moins vous savez que celle-là, elle bat la Beetle. En accélération. En drague. Donc, boostez-la à fond et vous serez pas déçus, les amis. Bon, alors maintenant, les amis. J'ai fini une vidéo, donc une nouvelle vidéo, un peu style Fast and Furious, comme la dernière que je vous avais faite, là. J'ai fini le montage. Et je pense vous la diffuser, je sais pas, milieu fin de semaine. Enfin, je pense plutôt fin de semaine, dans le week-end ou quoi, ou peut-être le dimanche, je sais pas. Enfin voilà. Oh, il m'a envoyé directement sur le. Oh là là, c'est bouché là. Hein. Il m'a envoyé directement sur le 4x4. Donc voilà ça. bon, je pense qu'elle va être sympathique. Vous me direz ça en commentaire quand vous la verrez. Maintenant. J'ai fait des vidéos Car Mechanic Simulator. Il faut que je fasse le montage là. Et bon, ça vous l'aurez courant de la semaine. Il y en a deux. Voilà, vous l'aurez courant de la semaine, je pense. Après, il faut que je me remette à faire un peu. Ah, j'ai aussi une vidéo jeu crew qu'il faudrait que je poste. Bon, c'est une vidéo un peu rigolote, on va dire. Après. Ouais, il faut que je refasse un petit let's play donc sur Gran Turismo. Et voilà. Hein. Bon alors les amis, je vais peut-être avoir une Xbox. J'ai bien dit peut-être. Donc si je l'ai, il y aura du Forza. Donc voilà, ça c'est la petite info de la semaine. Donc j'attends de voir. Mais normalement ça va se faire. Bon par contre c'est pas la. Ça sera pas la X. Bon tant pis. Hein. En fait je vous explique, c'est mon petit frère qui qui va, il s'en est jamais servi, elle est neuve. Et voilà, donc bon, tant qu'à faire, hein. Au moins qu'elle serve à quelque chose. Bélier en approche, boum, olé, Misty Flip. Allez, on repart. Au celui-là, topie net. Alors il reste 1,8 km de course poursuite. Ah, j'ai reçu un petit texto. Allez, 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 allez. Hop, voilà. Oh, ça c'est bon par contre, j'avais pas fait gaffe. Nos full, les amis, voiture de drague. Nos full. J'aurais pu le mettre un peu avant d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe. Ah, il reste 1 km de course, donc je pense que là, les flics vont nous lâcher. Voilà, donc là on est tranquille avec les flics. Désolé les amis, je suis encore un petit peu malade depuis le temps. Ça fait 5 semaines, c'est toujours pas. Enfin, c'est passé, mais bon. C'est pas encore flambant, flambant. Allez, voilà, super. Donc on a récupéré la bagnole. Alors les amis, c'est fou, il nous file cette bagnole. Et ouais, ça aussi, donc j'en profite pour vous dire, j'ai fait une customisation sur cette bagnole. Très récemment. Ouais, donc là, il est pas. Alors là, les amis, regardez. Voilà. À vous de réfléchir ce que ça va être. Alors, bon. Donc là, comme d'habitude, hein, disponible tout ça. Hein. Oh, il y a même le petit néon dessus. Bon, bah alors, hein, il n'y a plus rien à faire. Hein. Moteur, on est de niveau 5. Alors, les amis, je vais vous mettre donc le petit pack. Non, on va faire un voyage éclair directement dessus. Attendez, vous savez quoi? On va faire déjà la petite ligne droite comme ça.
en mode niveau 5. Après, donc je mets le pack moteur et on se refait la pointe. Voilà. Donc, alors allez, on est parti, ça sert à rien. Oh les. Attendez, vous savez qu'on va pas partir du tremplin. Oh les. Petit lève. Oh, vous avez vu, elle a passé la deuxième, elle a relevé un petit coup. Sympa, sympa. Alors. Bon, vous savez quoi, je vais mettre une direct. Hein. Ouais, 230. Bon, 230. C'est pas fou. On va aller se booster tout ça. Alors, les amis, je viens de capter un truc là. C'est la première fois qu'on a cette voiture. Donc, ça, c'est la première fois qu'on a cette caisse là. Je crois pas qu'on l'a déjà eu. Qu'on l'ait déjà eu. Donc, vous voyez comme quoi ils ont vraiment attendu le moment spécial. Donc, pour Halloween, hein, tout simplement. Alors, pacte niveau 16, on est à 896 chevaux, 335 km/h. C'est pas dégueu. Voilà, je vois que mes sous commencent à tomber pas mal là. Il va falloir que je refarme un peu, je crois. Hein. Alors, 18, ouais, bah, ça on va le mettre. Ça, on va pas le mettre. Ça, on va le mettre. Ouais. Non, non, non. Ouais, niveau 16, bof. Calculateur. Alors, attendez. Calculateur de niveau 16. Bon, au final, j'ai pas pu bien la maxer cette voiture. Hein. Transmission. Ouais, donc la transmission, on va la mettre. Ouais, quoi que, non, même pas. Même pas. Alors, combien de temps il me reste avant que ça? Hop, 1 minute. Bon allez, on retourne à notre petite piste. Voilà. À savoir aussi les amis que on m'avait fait un défi très récemment. Un abonné m'avait lancé un défi. Donc sur le circuit de l'hyperespace. J'ai du montage à faire et la vidéo arrive très vite. Voilà. Donc à tout hasard, hein, si vous avez d'autres défis à me lancer, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a un moment aussi, on m'avait lancé un défi donc sur le circuit de drift. C'était lequel? Drift de quartier ou un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là, les amis. Genre, il fallait faire 1 million. Donc bon, je pense que c'est largement jouable. Donc je le ferai en vidéo. Je sais qu'il y en a. Attendez, c'est quoi celui-là? Ouais, non, c'est pas celui-là. Je sais qu'il y en a qui font ce circuit à 3 millions ou un truc comme ça, enfin les records mondiaux quoi. Bon, moi je suis très loin de tout ça. Hein. Je suis super nul en drift. Mais bon, 1 million, je pense que c'est jouable. Donc je le tenterai. Bon, on est déjà à 280. Allez, j'en mets 9. 353. Ah! Alors, les amis, je vais vous montrer vite fait. Olé! Je vais vous montrer vite fait l'accélération de cette bagnole. Mais bon, comme je vous dis, vous allez avoir une vidéo dessus. Hein. J'en ai fait une spéciale. Allez, avec le NOS. Ouais, bon, bah, on voit qu'elle est pas maxée. On voit qu'elle est pas maxée du tout. Alors en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il faudrait une petite butte juste à côté pour voir vraiment la différence. Alors, est-ce que là, niveau. Ouais, donc c'est bon. On va aller vite fait voir s'il n'y a pas des nouvelles petites pièces à mettre dessus. Comme ça, je vous fais une bonne pointe comme il se doit. Allez, hop. Alors, transmission niveau 18, ça ouais, ça ouais, ça ouais, ça. Oh mais oh, j'ai pas des très bonnes cartes aujourd'hui. Hein. Ah, celle-là est sympathique, celle-là. Voilà, celle-là oui, carrément. Calculateur, transmission.
Bon. Il me reste l'échappement et le moteur. Alors échappement, j'ai pas. Et moteur, il y a celui-là, mais bon. Bon, ok. Allez, on s'échappe. On retourne à la piste de test là-bas. Hop. On se refait une petite pointe et puis les amis, j'arrêterai la vidéo là. Si vous avez des commentaires, des suggestions à me faire pour d'éventuelles vidéos, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Hein. Je lis et je réponds à tous les commentaires. Bah, quasiment. Il m'arrive de temps en temps à en louper un ou pas, mais généralement je réponds à tout le monde. Hein. Allez, go. Ouais, on est déjà à 300. Bon, après, hein, c'est vraiment. Cette bagnole, c'est en pastèque. Hein. C'est en pastèque. Après, si on n'a pas une autre bagnole à côté, on peut pas trop bien se rendre compte. Bon, voilà, les amis, sur ce, j'ai fini ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai dit pas mal d'infos là dans cette vidéo. Bah voilà. Hein. Sur ce, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Comme j'ai dit, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. Et les amis, j'ai envie de vous dire bon game à vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, sur ce, à plus les amis, à plus. Ciao!